Ça se fait pas, on est en studio. Oui, mais il y a du soleil dehors, Carole, puis grâce à un habile système de miroir, le soleil se reflète ici et sur le visage. Excuse-moi, tu me fais de l'ombre, Carole. Ah, oh, excuse. Mais là, Carole, non. Carole, s'il te plaît, c'est à moi, tu fais de l'ombre, malgré tout croche, là. OK? Non, puis tu t'as assez, c'est parce que... Oui, attendez, il faut qu'on commence l'émission. Mais c'est des miroirs, là, fait que t'as... Oui, voyons, ça va faire, là. Mais profite-en, toi aussi, du soleil, Carole. Ben oui. Ah, je peux en profiter, moi aussi. Mais oui, c'est plein de vitamines. Parfait. Ah, la cuisine en plein air, hein? C'est génial, ce que ça fait du bien. Ben voyons. Ben oui, y a rien de mieux qu'une bonne petite tranche de pain grillé, là, au soleil, hein? Excusez-moi si je vous fais de l'ombre, hein? Parce que n'oubliez pas que ça colle, là. Hein? Bonne émission. Yeah. Bonne émission. OK, Madame Picard, pour vous faire plaisir, je vais goûter à votre pizza devant tous ceux qui nous regardent ce soir. OK? On y va! Vraiment, c'est très bon, c'est extraordinaire, mais j'ai tout le temps convenu à Madame Picard. Allez vous rasseoir! Monsieur Picard, on se concentre et on y va pour une première question. Monsieur Picard, votre chien pue. Non, c'est une farce, c'est pour la question, Monsieur Picard. Alors, votre chien pue, mais vous n'avez pas le temps de lui donner son bain. Alors, que pouvez-vous faire? A. Vous donnez un pince-nez à tous ceux qui restent dans la maison avec vous. Ou B. Vous saupoudrez les poils de votre chien avec du bicarbonate de soude. Oui, de la petite vache, on s'en souvient. Et ensuite, vous brossez ses poils pour retirer toutes les saletés nauséabondes. Nauséabondes, ça veut dire qu'il puise, Monsieur Picard. Alors, on réfléchit et on y va! Non, M. Picard, est-ce que vous avez dit B, saupoudrer les poils de votre chien pour ensuite retirer les saletés nauséabondes? Oui, M. Picard, vous avez dit ça. Eh bien, M. Picard, vous gagnez! Oui, M. Picard, c'est extraordinaire! M. Picard, écoutez-moi. Est-ce que vous aimeriez ça, vous jouer au golf sur les plus grands terrains de golf du monde, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord? Oui, M. Picard? Eh bien, si un jour vous avez les moyens d'y aller, pensez à nous en vous servant de ce magnifique ensemble de tea 100% plastique vierge recyclé! Oui, M. Picard, c'est extraordinaire et c'est pour vous! Bravo! Bravo! La belle abeille! Sauvez-vous de ça, bonnet, la belle abeille! Dis-moi, mademoiselle, c'est parce que j'ai oublié de prendre le ketchup. C'est ça le mot que je cherchais, voilà, c'est le ketchup. Le non. Client est roi. On va la mettre un petit peu. Oh! Hey, ça part seul, ça! Ouais, mais c'est caché. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais. Non, ça ne part pas. Non. Peut-être qu'avec du décapant. Ah, du décapant? Ouais. Ça part pas, ça hein? Ça ne part pas! Mais non. Ah, voilà! Non, mais là, moi, c'est un peu exagéré, par exemple. Ça ne part pas non plus! Vous pouvez nous faire confiance. Dans nos restaurants, la propreté est une priorité. Si je pourrais savoir une boisson gazeuse pour me calmer, s'il vous plaît. Le client est roi. Ouais, merci. Non. Oh! Oui, non, non, arrête ça! Sale. C'est sale, ça. Hey, Carole! Allô, allô, tu oui, allô. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ben bien, c'est pas vraiment le mot que je cherche. Non. C'est le mot que je cherche, c'est plus ça va mal. Ça va mal, c'est ça le mot que je cherchais. C'est pourquoi ça va mal? J'étais allé au salon, un bourgeois du pirate tantôt, je voulais manger des patates frites, tu sais, des frites, là, comme ça. Ouais. Puis j'ai échappé de la sauce tomate, là, la ben folle, la Rosalie, elle m'a tout sablé le linge. T'es tout taché. On t'aurait une façon moins violente de faire disparaître, mettons, une tache de sauce tomate, mettons, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Ben justement, j'ai lu une revue dernièrement et j'ai noté. J'ai pris des notes sur comment faire disparaître des taches, les choses avec lesquelles on se tache plus souvent, de la sauce tomate, de la boue, du jus de fruits, des choses comme ça. J'ai noté des petites recettes maison. Ouais. On n'a pas toujours besoin d'acheter de l'anti-tache ou des choses comme ça. Des fois, on peut s'arranger avec des articles maison. Des produits domestiques, c'est ça qu'on cherche à faire. Des produits domestiques, effectivement. Ouais. Alors, pour faire partir une tache de sauce tomate, on dit humecter avec un peu d'eau. D'accord. Saupoudrer de talc ou de fécule de maïs. Ouais. Je vais vous montrer. D'accord. Ensuite, on attend 10 minutes et on brosse. D'accord. Ensuite, on dit verser un peu de détergent à vaisselle liquide sur les taches et frotter doucement avec un linge humide. D'accord. Alors, je le fais. D'accord. Alors,
On dit d'humecter la tâche. Alors, je prends ici un petit linge. Un petit linge que tu vas humecter. Que j'humecte. C'est un beau, j'ai humecté ma tâche. Bon, tantôt, d'accord, j'humecte ma tâche. Voilà. Et je prends le talc ou la fécule de maïs. D'accord. D'accord. Et je vais saupoudrer ma tâche avec celle-ci. Le talc, c'est un peu comme de la poudre. Effectivement. Et ça, la propriété du talc ou de la fécule de maïs, c'est que ça absorbe les graisses. Ah, d'accord. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ouais. Voilà. Et on nous dit d'attendre environ 10 minutes. D'accord. Pour que ça fasse effet, que ça absorbe bien les graisses. Ensuite, après les 10 minutes, ce que je fais, je frotte vigoureusement ma tâche. D'accord. J'enlève l'excédent de fécule. J'enlève l'excédent de fécule. L'excédent, c'est un beau mot, ça. Ma tâche comme ça. Voilà. Et quand j'ai terminé cette opération-là, je me débarrasse de tout. Je me débarrasse de tout. Ouais. Et je prends du détergent à vaisselle liquide. Je mets ça sur ma tâche. D'accord. J'en mets un petit peu. Ouais. Voilà. Okay. Et voilà. Comme ça. Et là, je frotte un petit peu. Je frotte. Comme ça. Et je vais rincer à l'eau. Rincer à l'eau. D'accord. Je vais rincer mon vêtement ici à l'eau. D'accord. Comme ça. Là, la tâche est presque complètement disparue, hein? C'est ça. C'est ça. Et là, je traite ma tâche comme ça à part, bien entendu. Mais ensuite, ce que je fais, je vais mettre tout simplement mon vêtement dans la machine à laver. Dans la machine à laver. Voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. OK. J'ai une colle pour toi. Vas-y. Une tâche de beurre. Qu'est-ce qu'on fait avec une tâche de beurre? OK. Tâche de beurre, ça, c'est très surprenant. D'accord? Avec un fer à repasser. Écoutez ça. Ouais. On prend du papier essuie-tout. Ouais. Ensuite, on met notre tâche entre les deux essuie-tout. D'accord? D'accord. Et avec un fer à repasser, je vais faire disparaître ma tâche. Ensuite, je frotte avec du savon de Marseille. Et voilà, je vous dis qu'est-ce que c'est. D'accord? D'accord. Savon de Marseille. C'est un mystère. Oui, c'est un mystère, un fer à repasser. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. OK, alors si j'ai ma tâche debout ici. De beurre. D'accord. Alors, j'ai ma tâche de beurre. Ouais. Ici, je la mets comme ça, entre mes deux. Voilà, entre mes deux essuie-tout, comme d'accord. Ici. Voilà. Et alors, je pense que je comprends. Oui, qu'est-ce qui va se passer si c'est que le beurre va fondre. Le beurre va fondre. Et le beurre va être absorbé par les essuie-tout. Et voilà. C'est ça. C'est ça de mon coin chachat tantôt, t'es absorbé. Alors, quand j'ai terminé ça ici, je retire mon essuie-tout. Et avec du savon de Marseille, ce que j'ai ici. Ça, on trouve ça en pharmacie. On n'a pas besoin d'aller à Marseille. Là. Non, en pharmacie. D'accord? En pharmacie. On y va avant 6 heures parce que la pharmacie ferme à 6 heures. C'est ça. Quel beau jeu de mots. Ouais. Alors, je frotte ma tâche comme ça ici vigoureusement avec le savon de Marseille. Ouais. D'accord. Et voilà. Et je laisse agir environ 10 minutes. D'accord. Et je vais ensuite nettoyer mon vêtement dans la machine à laver encore une fois. Ordinairement. Et voilà. OK. Une tâche debout. Une tâche debout maintenant. Une tâche debout, on la laisse sécher. D'accord. Il faut la laisser sécher. Ensuite, avec une petite brosse comme ça ici, on frotte vigoureusement la tâche. C'est que ça va faire comme une croûte. C'est ça. Et on va humecter la tâche ensuite avec un mélange de vinaigre et d'eau. De vinaigre et d'eau. Oui, environ une cuillerée de vinaigre pour une tasse d'eau. D'accord. Alors, j'en ai une ici. D'accord. Voilà. J'ai une tâche debout ici. D'accord. Alors, je fais... Donc, tu l'as frotté préalablement. Voilà, c'est ça. D'accord. Je l'ai frotté préalablement. Elle était sèche, j'ai enlevé l'excédent. C'est ça. Et là, voilà, je frotte comme ça. Avec du vinaigre et de l'eau. Et ensuite, je vais encore une fois mettre mon vêtement dans la machine à laver. D'accord. Une tâche de jus de fruits maintenant. Mettons du jus d'orange. Du jus d'orange. Je crois que j'en avais une ici, une tâche de jus de fruits. Vraiment, j'ai... Mais t'es bien sale, toi. Oui. Tu manges tout croche. Ben oui, je suis allé à une fête, hein, puis bon. Alors voilà, on met du sel là-dessus. Du sel. Un peu comme du vin. Ouais, on met du sel. Oh, hey, regarde, Sarah, excuse-moi de t'interrompre. C'est comme le vin, parce que t'en as une tâche ici, toi, dans une. Non, ça, c'est le motif, ça. Non, c'est le motif de ma blouse. Qu'est-ce que c'est ça? Tâche qui ne veut pas partir. Oh, je vais te faire partir, moi. C'est la folle. Je m'en vais chez le gros Dubé. J'ai deux mots à lui dire. Ça fait 20 minutes que je l'attends. J'ai essayé de le joindre au téléphone, mais c'est toujours occupé. Oui, occupé. Pas engagé, comme dit Chignon. C'est toujours engagé chez Dubé. Un autre beau zouave, celui-là. On s'engage dans l'armée. On s'engage à rendre un service. On engage une clé dans une serrure.
Mais on n'engage pas une ligne téléphonique, on l'occupe. La ligne est occupée. Occupée, c'est clair. On finit par se comprendre une bonne fois pour toutes. Hey, HB! Arrives-tu? Hey. Ça me donne une idée. Je vais jouer un tour pour ceux qui vont me suivre. Hey! Ça me donne une idée, moi, ce panneau-là. Peut-être que si je changeais les panneaux, là, je pourrais mélanger ceux qui me suivent. OK. Lui, on va mettre ça là. Lui, on va mettre ça comme ça. Lui, on va mettre ça comme ça. Lui, on va mettre ça comme ça. Mais lui, on va mettre... Ouais, c'est correct, de toute façon. Oh non, ça se fait pas faire des coups comme ça, ça peut être dangereux. Je vais essayer de remettre les panneaux dans l'ordre. Oh! Je m'en souviens plus. Hey! Hey, hey, hey! Hugo! Oh. Qu'est-ce que tu fais là, là? Ben, j'essayais de remettre les panneaux dans l'ordre. Pardon? J'essayais de remettre les panneaux dans l'ordre. Tu veux-tu dire que t'avais changé les panneaux? Oui. Ouais! Je voulais faire une farce pour ceux qui... Ouais, mais ça aurait pu être très dangereux, c'est parce qu'on sait plus, là, c'est quoi qui... Ouais, ben, de toute façon, ça sert à rien de s'obstiner, hein? Ouais. La noisseur a pogné, on n'aura pas le temps de faire des pieds. On viendra demain. Ouais, c'est ça. Je peux te suivre? Ah ouais, suis-moi. Je suis tombé par terre, ça m'a pris une demi-heure à pouvoir me relever à cause de la neige, c'était mais profond. Oui. Mais moi, j'aime pas ça faire du ski de fond, Élise. Mais pourquoi? Ben non, j'aime pas ça parce qu'à toutes les fois, il faut que je monte une côte, là, je glisse. Ah. Je glisse, puis là, je dois m'accrocher aux arbres pour pouvoir monter jusqu'en haut. Pour aimer faire du ski de fond, là, il faut que nos skis s'agrippent à la neige lorsqu'on monte une côte et qu'ils glissent sur la neige lorsqu'on descend une côte. Oui, mais comment on fait ça? C'est contradictoire, ça, Élise? C'est vrai que c'est contradictoire, mais il faut avoir des skis qui nous conviennent. Les skis, premièrement, les skis de fond, il faut savoir qu'ils sont cambrés et non pas plans. Vous voyez ici, il y a une cambrure. Oui. Et il faut que la cambrure corresponde à notre poids. Pour ça, on va faire un petit test. On met nos skis de fond par terre, comme ceci, et je vais glisser une feuille de papier sous les fixations, ici à peu près. Ah. Là, je monte sur mes skis. Je répartis mon poids également des deux côtés. J'ai pas besoin d'avoir mes bottines. Là, je les ai, mais pour faire le test, on n'en a pas besoin. Et toi, tu vas essayer de faire glisser la feuille. C'est-à-dire, vas-y, comme fais ça. Là, elle glisse comme ça, là. Voilà. Alors, le test numéro 1 est réussi. Ça veut dire, OK, il faut que la feuille glisse. C'est ça. Parfait. Test numéro 2, je vais mettre seulement mon poids sur un ski maintenant. Voilà. Et là, la feuille devrait être coincée. Là. Ah, elle bouge pas, Élise. Et voilà. La cambrure correspond donc à mon poids. Plus on est lourd, plus la cambrure devrait être prononcée. Alors, quand on a réussi, quand nos skis ont réussi ces deux tests-là, on peut maintenant les farter. Ah bon? Ah, bien, on les farte pour que ça glisse mieux, c'est ça, hein? Non, au contraire. Contrairement à ce qu'on pense, on ne farte pas les skis pour qu'ils glissent bien, mais plutôt pour qu'ils s'agrippent bien à la neige. Parce qu'on va farter, pardon, seulement la partie du centre, la partie qui est cambrée. La partie qui touche à la neige lorsqu'on est seulement sur un pied, donc lorsqu'on grimpe, lorsqu'on monte les côtes. Ah! Je vais te montrer un peu comment farter. Comment c'est super simple. Alors, des cires, des phares, là, il y en existe tout plein de différentes des couleurs. Des rouges, des bleus, des ah, verts. Des jaunes, puis selon les différentes marques, ça change de couleur. Ça dépend de la température qu'il fait dehors et de la texture de la neige. Mais c'est écrit habituellement sur l'emballage. Là, c'est écrit, bon, ben ça pour 10 à 15 degrés ou moins 10, moins 15 plutôt. Alors, tiens, gars, tu vois ici, celui-là, ouais, il est ça, pour moins 10, moins 15. Comme ça, on risque pas de se tromper, hein, c'est ça. Moins 10, moins 15, moins 3 degrés, moins 8. Alors, ce qu'on fait premièrement, on retire la vieille cire à l'aide d'un petit grattoir. Alors, on a juste à gratter et à retirer la vieille cire. Tu vois, il y en avait presque plus sur ceux-là. Je vous rappelle que ça sert à rien de farter la pointe et le talon du ski. Pour que ça glisse bien, il ne faut pas mettre de cire, seulement au centre. Alors, je prends
Ça s'appelle une poussette, le contenant dans lequel il y a le fer. Alors, je prends ma poussette, je mets du fer comme ça, comme si je crayonnais avec de la cire. D'accord. J'en mets bien, mais pas dans la rainure au centre. Il y a une petite rainure, là, au centre. Oui, oui, ici, là. Oui, bon, là, on n'en met pas. Après, je vais égaliser à l'aide d'un bloc de liège. Celui-ci est en liège synthétique. Je frotte pour égaliser. D'accord. Et voilà, c'est tout aussi simple que ça. Je mets mes skis dehors 5-10 minutes pour que le fer durcisse et gèle, et voilà. Ah, ben c'est bon. Élise, est-ce que je peux t'emprunter ce fer-là pour ma mère? Ah oui, elle fait du ski de fond? Non, c'est parce qu'elle a plus de fer à joue. Ah. Oui. Oui. C'est drôle des fois ce qu'on peut trouver dans les annonces classées. D'ailleurs, pour vous en faire la preuve, saviez-vous que le groupe écossais Soup Dragon a trouvé son bassiste dans une annonce classée publiée dans les journaux? Et l'annonce se lisait comme suit. Bassiste qui ne sait pas jouer cherche un groupe. Eh bien, croyez-le ou non, ils l'ont engagé et le groupe marche très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, on va voir un clip de ce groupe-là. La chanson s'intitule « I'm Free ». C'est une ancienne chanson des Rolling Stones dont ils ont changé les paroles, ajouté à cela un rythme très reggae, 12 chanteurs gospel, et ça fait un clip très inspiré par les années 70. Alors, on regarde ensemble « I'm Free » du groupe Soup Dragon. Mais avant, il y a une petite annonce ici qui m'intrigue, c'est marqué « Émission de télé cherche un animateur pour compléter un trio. Contactez Élise Marquis et Carole Cassista. » Quelque chose m'échappe. From my granddaddy, come. These are the words me hear from my granddaddy. He said nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, I'm say free from the key. Free like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm say free from the key. Don't be afraid of your free. 'Cause I'm free, do what I want, any old time. I'm free to be like you. You can't
Ah non, c'est pas vrai. Ah non, je vais devoir leur dire au club vidéo. Il faut encore que je recule la cassette. Oh, ils le font jamais. Bon ben, je vais être obligée de le faire moi-même. Mais je... Oh. Ben voyons, toi, ouais, je te fais ça, voyons, toi, moi, tu... Ah non, mais t'es pas gêné, petit impoli! Ah! Non, ben ça, c'est pas moi qui t'ai volé ça, c'est lui! Bon, où est-ce que c'est dans toi? Où est-ce que c'est ça? Hé, hey, moi, je m'as-tu trouvé un jour? Oh! Viens là! Oh, super, j'ai eu un stick! Hey, je me l'avais dit que ça valait la peine, hein, de lancer fort, le dé! Ah, là, je suis contente. C'est là, c'est vrai. J'ai réussi. Mais tu jouais où, là? Papa, je jouais là-bas, loin. Puis t'as lancé le dé jusqu'ici? Ben, tu sais, plus tu lances pas des fois, puis t'as des gros chiffres, mais pas tout le temps. Ah, ouais? Mais moi, j'ai un jeu à te proposer. C'est drôle que t'aies un dé dans les mains, parce que je me promenais justement avec mon cabaret, mes dés, tout ça. Je savais pas trop où j'allais. C'était un peu bohème. Ah! Ouais. Et puis, je me suis dit, ben si je tombe sur Carrie, je vais lui proposer un jeu de dés. Mais c'est vraiment la chance d'être avec nous! Ben, je te jure, le destin nous lie! Ah, explique-moi ton jeu! Là. C'est très facile à jouer, ça prend presque pas de matériel. Il suffit de se promener dans la rue avec un cabaret, des jetons et 3 dés. Et le tour est joué. Dans la rue. Non, on peut jouer ça à la maison, okay. Naturellement. C'était une farce. Le jeu s'appelle le coup de balai. Le jeu consiste à la chose suivante. D'abord, on distribue à chacun des joueurs des jetons. Afin que le jeu dure plus longtemps, on en passe une bonne vingtaine à chaque joueur. Alors, je vais évaluer ça au volume, là. Mais c'est à peu près, à peu près. T'en as environ 20, d'accord? Oui. Je vais en prendre environ le même nombre. Ouais, ici. Ouais. Ça. Ah! Je l'avais pas vu! En franchement, tu veux gagner, toi, hein? OK. Ah! Le but du jeu... Ben, il suffit de se débarrasser de ces jetons, soit en les passant aux autres joueurs, ou soit en les accumulant dans le pot au centre. Oui. OK, bon, le pot, on va dire que c'est mon bocal jaune ici. Tout sur 20! Pour ce faire, pour se débarrasser de nos jetons, on peut procéder de deux façons. Oui. D'abord, on a 3 dés. OK? Oui. Il faut ou avoir des 6 ou avoir une suite. Je m'explique. OK. Moi, je dis, bon, ben, j'y vais pour mes 6. Si j'obtiens des 6... Oui. À chaque 6 que j'obtiens, oui? Je donne un jeton à chaque joueur qui joue avec moi. Parfait. J'ai 3 chances. Alors, j'y vais par 3 coups. Okay. Par exemple, si j'y vais pour mes 6, ah, tu vois, si j'ai déjà 2-6, je peux conserver mon autre dé et j'ai 2 autres coups. Je les mets de côté. Maintenant, 4, 3. Alors, je t'aurais donné 2 jetons. Donne-les. Je te les donne. Une autre façon de se débarrasser de ces jetons, c'est de les mettre dans le pot au centre. Comment on fait? Et pour ce faire, il faut obtenir une suite, c'est-à-dire 1, 2, 3. 2, 3, 4. Oui. 3, 4, 5. 4, 5, 6. 4, 5, 6. D'accord? Oui. Pour ce faire, on a toujours 3 coups. OK? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 coups, c'est ça. Alors, admettons que j'y vais pour une suite. Alors, bon, ici, j'ai 5, 6. Faut que tu essaies d'avoir un 4. Faut que j'essaie d'avoir un 4. Il me reste 2 coups pour avoir un 4. 4. 4, 5, 6. Si j'ai ma suite, eh bien, je me débarrasse de tous mes jetons, sauf 1. Je les mets dans le pot. OK? Oh, mais c'est super! Là où le bas blesse... Ah! C'est quoi ça, le barbe? Non, pas le barbe blesse, mais où là où le bas blesse, le bas blesse, là où ça fait mal... Ah! OK! OK? Eh bien, c'est qu'il faut annoncer à l'avance ce qu'on va avoir, ce qu'on veut tenter d'obtenir. Ah! Oh, des 6 ou une suite! C'est ça. Il faut dire, admettons, moi j'y vais pour mes 6 ou j'y vais pour la suite. OK! OK? Je comprends. Si j'ai pas ma suite, là... Je ramasse tous les jetons qui sont dans le pot. Oh, oh, si j'ai aucun 6, je ramasse tous les jetons qui étaient dans le pot. Oh, c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour toi? C'est clair pour toi à la maison? OK? Hey, on y va. Mais tous ceux qui nous regardent... Ah, bonjour! Alors, on y va. Je recommence. Oui. Je reprends mes jetons. Oui. Et là, ça devrait être moi c'est qui toi qui commence parce que t'es une femme. Ben non, toi, parce que c'est moi qui décide! OK, pardon. Bon. Je vais pour les 6. Tu y vas pour les 6. Oh, oh. Toi, t'en as pas jusqu'à présent. Tu reprends les 3. C'est ça. T'en as pas. Alors, tu ramasses tous les jetons qui sont dans le pot. Oh non! Exactement. J'aime pas ça, Joanne. OK, moi, j'y vais pour mes 6. Non, t'en devrais pas jouer pour tes jetons. On devrait jouer quelque chose de vrai. Là. Quoi? Tu sais, quand tu me donnes la maison de tes parents, la voiture de tes parents, tout ton argent, tous tes vêtements. OK, je suis d'accord. Mais moi, si je gagne, qu'est-ce que tu me donnes, toi? Une femme.
pomme. Ben, ça, c'est juste! Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens, avant que les poubelles existent? Eh bien, ils jetaient leurs ordures dans la rue. Et les balayeurs passaient pour nettoyer. Bah! Quel spectacle! Toutes ces ordures qui traînaient, ça devait être invivable! Un jour, un administrateur de la ville de Paris ordonna que tous les propriétaires fournissent des contenants à leurs locataires pour qu'ils y déposent leurs ordures. Et on donna le nom de l'administrateur au contenant. Est-ce que ça vous donne une petite idée de son nom? Il s'appelait Eugène Poubelle. Eh oui, Poubelle! Le pauvre homme, il se serait sûrement passé de cet honneur. Bronzé, voyons, c'est plus la mode, ça, bronzé. Mm. La mode est au blanc. Au blanc? Ben oui. C'est super, ça. Mais non, Élie, c'est pas super du tout. Je veux dire, comment on va faire, nous autres, pour passer du brun au blanc? Ben oui, mais c'est simple, la lune. La lune? La lune est blanche. Ah, ben oui. On a juste essayé d'attraper un coup de lune. Ah, oh, non. C'est pas bonne idée, ça. Les autres sont dans la lune, des fois, là. Tout est pas bien, c'est ça. Bye. Bye.